Depuis cette nuit de Noël, tout est nouveau. Les jours allongent, le printemps est en espérance, mais nos cœurs surtout ont rajeuni. En faisant de ton fils un être humain, tu redis, Seigneur, l'estime que tu nous portes. Te voici chez nous, tout à nous. Que ta présence nous donne envie d'être à notre tour tout à toi. Alléluia, Jésus est né, il renaît en notre cœur. Que sa présence illumine notre vie, ravive notre énergie, renouvelle notre espérance. Que son amour nous garde et nous bénisse. Et nous nous levons pour chanter au cantique 256. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous trouvons. Nous nous tournons pour recevoir de lui force, paix et espérance. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous en ce matin de Noël. Bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens, et bienvenue à vous qui êtes peut-être ici de passage ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Que chacun de vous se sente ici, comme chez lui ou chez elle, dans cette maison où nous sommes venus ensemble, nous ouvrir à la présence de Dieu pour chercher sa parole, pour l'adorer. Lui, le Dieu de tous et de tout. Ensemble, mais chacun à son rythme. Et avec ses moyens, nous voulons nous approcher de la crèche pour redécouvrir cette proximité de Dieu au cœur du monde et au cœur de notre vie. Alors oui, à tous, je souhaite un temps de Noël béni et je vous encourage à vous le souhaiter également les uns aux autres, en commençant par votre voisin de banc. Souhaitons-nous un joyeux Noël les uns aux autres. Prions. Toi qui es le Seigneur de la nuit
et de la lumière, tu es venu visiter en Jésus-Christ notre humble demeure. Tu n'as pas voulu rester le Très-Haut seulement. Tu as voulu être avec nous dans l'ici-bas. Tu es sorti de ta demeure d'éternité pour nous accompagner sur cette terre où tu nous as placés. En tes mains, nous te remettons tout ce qui obscurcit nos vies. Prends naissance en nous, afin que nous naissions en toi. Accorde-nous au cours de ce culte de nous recueillir dans la profondeur, afin que Noël soit pour chacune et chacun une rencontre vraie avec toi, de la force et de la joie. Amen. Je vous invite maintenant à chanter au cantique 257 devant ta crèche prosternée. Je vous invite à rester debout pour confesser ensemble notre foi avec le texte que vous trouvez dans l'ordre du culte. Nous prions ainsi ensemble. Nous croyons qu'à Noël, Dieu vient raviver notre espérance. Nous croyons qu'à Noël, le Christ vient nous manifester sa proximité sur les chemins de la vie. Nous croyons qu'au long des heures de tristesse et qu'au long des heures d'allégresse, en nous demeure désormais la confiance d'être aimé par le Père, d'être accompagné par le Fils, d'être soutenu par l'Esprit. Amen. Thank you.
Nous lisons au chapitre 61 du livre du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter un joyeux message aux humiliés. Pensez ceux qui ont le cœur brisé. Proclamez aux captifs l'évasion. Aux prisonniers, l'élargissement. Pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur et réconforter tous les endeuillés. Pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre. Une onction de joie au lieu de la tristesse et du deuil. Un vêtement de ferveur au lieu d'un esprit abattu. On les appellera térébinthe de la justice, plantation du Seigneur, destinée à manifester sa splendeur. Réentendons maintenant la bonne nouvelle, telle qu'elle nous est rapportée dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, au chapitre 2. En ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec les anges l'armée céleste en masse qui chantait les louanges et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges eurent quitté le ciel, les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qu'ils avaient été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendaient furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. Prions. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous te prions pour que tu disposes nos cœurs et nos intelligences à approfondir l'immense mystère de Noël. Sois avec nous dans notre écoute, dans nos paroles, dans nos prières, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au numéro 268. Thank you.
La tradition orale raconte l'histoire suivante. Le roi Salomon, qui fut l'un des plus grands souverains de l'Israël ancien, demanda un jour à son épouse la plus sage. Des épouses, il en avait 1000, donc il a vraiment pris la plus sage. Et il lui demanda: qu'est-ce qui est le plus précieux aux yeux de Dieu? Et l'épouse la plus sage répondit: l'imprévisible, l'inattendu. Eh bien, Noël nous place ce matin devant ce qui est le plus précieux aux yeux de Dieu, à savoir l'imprévisible et l'inattendu. Dieu agit, mais son action surprend même ceux qui l'attendent. Imaginons un instant. L'évangéliste Luc, penché sur son écritoire à la lumière d'une bougie, en train de composer les récits de l'enfance qui occupent les deux premiers chapitres de son évangile. Luc faisait partie de ces gens pieux qui, au début de notre ère et dans cette région du monde, attendaient quelque chose de Dieu. À cette époque, beaucoup s'impatientaient de la venue du Messie promis. Et Luc, bien sûr, croit que ce Messie, c'est Jésus. Pourtant, ce Messie ne correspond pas en plusieurs points à celui qui avait été annoncé, proclamé par les prophètes. Rares en effet sont les passages des prophètes qui correspondent exactement à la trajectoire de Jésus de Nazareth, et même ceux qui correspondent peuvent encore faire l'objet de controverses. Luc interprète, après coup bien sûr, la naissance de Jésus, et il choisit certains éléments traditionnels pour appuyer sa démonstration. Ce qu'il veut établir, c'est que Noël était prévu pour ceux qui savent lire et entendre les prophètes. En réalité, il a probablement été aussi surpris que les autres, puisqu'il ajoute que même Marie, la mère de Jésus, s'interrogeait sur le sens de tout ce qui était en train d'arriver. Imprévisible était la venue d'un Messie dans une bourgade aussi improbable. Imprévisible son rejet de la part de ses coreligionnaires. Imprévisible sa mort sur une croix. Et encore plus imprévisible, les étranges phénomènes d'apparition racontés par certains un matin de Pâques. L'histoire de Noël, elle a été composée après coup. Bien sûr, elle doit contenir des détails historiques, mais il s'agit dans l'ensemble d'une composition, ou pour le dire autrement, d'une prédication. Et cela ne doit pas nous troubler. Les efforts démonstratifs de Luc trahissent sa propre surprise et manifestent surtout que Dieu déjoue les pronostics humains. Il n'obéit pas aux règles inventées par les religions des hommes. Face à lui, ce qu'on ne sait pas compte beaucoup plus que ce qu'on sait. Bon, c'est un peu comme dans la vie. Dans la vie, les choses ne se passent jamais comme prévu. On fait des projets, on établit des plans, et puis c'est autre chose qui arrive. Le plus important, en général, c'est toujours ce qu'on n'avait pas vu venir. L'imprévisible de Noël,
c'est le surgissement d'un avenir dans lequel Dieu se rend présent au cœur des hommes. Il ne vous a pas échappé que le roman de la nativité, si je puis dire, se déroule sur un arrière-plan vraiment très noir. À bien considérer, ça n'est vraiment pas une histoire pour les enfants. Il est question de la colonisation brutale d'un petit pays par l'Empire romain, et les Romains n'étaient pas des enfants de cœur. Il est question aussi de taxes écrasantes, d'attentats terroristes, de populations entières contraintes de se déplacer pour être fichées, et également d'un roi fantoche, Hérode, à la fois corrompu et assassin de premier-né, et puis de fuite en toute hâte. Bref, les gens de ce temps-là avaient tout ce qu'il fallait pour se croire abandonnés de Dieu et promis à un avenir sinistre. Et voilà qu'au cœur de ce tableau très sombre, notre attention est guidée vers la naissance d'un enfant, c'est-à-dire déjà vers le renouvellement inlassable de la vie. Et mieux encore, cette naissance est un signe, elle est appelée et nommée un signe. C'est le signe de la proximité de Dieu qui vient dans toute cette détresse pour se tenir aux côtés de ses créatures. Quelques 2000 ans plus tard, notre monde, en fait, n'est pas en meilleur état. En vérité, chaque Noël se déroule avec son flot habituel de deuil, de larmes et de drames. Cette année, bien sûr, c'est la guerre en Ukraine, mais il est aussi des guerres oubliées comme celles qui se déroulent au Congo, auquel, sur la demande d'une église sœur qui est très menacée sur place, l'intercession de ce jour sera consacrée. S'y ajoute aussi pour nous un entassement de crises plus vertigineuses les unes que les autres. Je vous épargne la liste, mais là encore, il y a bien des raisons pour se croire abandonné de Dieu et voué à un avenir franchement peu souriant. Or, s'il peut nous sembler que le négatif l'emporte sur le positif, est-ce que nous ne pourrions pas discerner, au contraire, le positif qui est en train de naître dans ce négatif ? Nous concentrer sur ce qui naît plutôt que sur ce qui meurt. Au lieu de céder au pessimisme, n'écartons pas l'inattendu de Dieu qui surmonte toujours et dépasse les obstacles du découragement des hommes. Ensuite, vous l'avez entendu, Luc dépeint la frayeur des bergers qui veillaient de nuit sur leurs troupeaux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. De quoi s'agit-il exactement ? Tout se passe comme si cette frayeur qu'ils ressentent les fait accéder à quelque chose que le commun des mortels ignore encore, parce qu'enfin, le tintamarre des anges dans le ciel ne semble pas avoir réveiller beaucoup de monde cette nuit-là. Eux-mêmes en furent surpris. Ici, ça n'est probablement pas de cette espèce de frayeur, vous savez, de peur qui nous saisit, qui nous sidère, qui nous empêche de réfléchir et d'agir. Non pas. Il s'agit plutôt d'un aiguillon. Un aiguillon qui oblige à creuser un peu plus la question.
Ils ont une frayeur, oui, mais juste ce qu'il faut pour aller de « ils furent effrayés » jusqu'à « eh bien, on va aller voir ce qui se passe ». Une petite touche d'intranquillité est bénéfique pour notre foi. Elle nous empêche de nous endormir, elle nous incite à ne pas nous satisfaire de nous-mêmes, elle fait un peu office de veille intérieure, et cette veille intérieure, elle nous permet de pressentir ce qui vient dans l'ordre invisible des choses. Pour ce temps qui est le nôtre, où l'inquiétude est grande et partagée, est-ce que nous pourrions transformer cette inquiétude en ferment d'éveil, afin d'être les veilleurs de lumière de ce monde sombre et de cette période sombre? Noël est déjà venu contredire la tragédie du monde. Noël contredit la tragédie du monde aujourd'hui, et Noël demain contredira encore la tragédie du monde. Voulant faire un bon mot, un grand et célèbre agnostique, Ernest Renan, a dit un jour « Tout est possible, même Dieu ». En y réfléchissant, il n'a pas dû mesurer la portée exacte de son mot. Car oui, en effet, tout est possible, y compris le Dieu inattendu. J'anticipe maintenant un tout petit peu sur l'épiphanie racontée par Matthieu. Ce qui me frappe, c'est l'obstination de ces mages qui sont venus des confins. Sans leur obstination, jamais ils ne seraient parvenus à accéder à ce à quoi ils espéraient. Ils n'auraient pas obtenu de réponse. En fait, ils avaient la confiance chevillée au cœur. Et la confiance, ça va avec la ténacité. La confiance est une décision que nous devons reconfirmer chaque jour. Et même si nous avons été déçus, nous la reconfirmons encore. On fait confiance à nouveau. Je fais confiance et puis je verrai bien ce qui va se passer. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ou bien sûr, sans que l'on sache ni où, ni quand, ni comment. C'est l'imprévisible de Dieu. Mais en attendant, gardons au cœur cette confiance. Cette confiance qui est notre plus précieux viatique. Il y aura des ouvertures, il y aura des réponses. Noël, enfin, elle dévoile l'intention de Dieu pour l'humanité. Le Christ est venu apporter une réponse à l'angoisse la plus intime de l'humanité. Depuis que l'être humain est apparu sur cette terre, cette réponse, c'est le salut offert, le salut gracieux offert à cette humanité tourmentée. Et ce salut, il est valable pour tous. Il n'est pas seulement réservé aux chrétiens. Les chrétiens en sont les gardiens et les veilleurs, pas les propriétaires. Après tout, il est écrit nulle part que ces mages qui venaient de loin voir l'enfant Jésus et qui étaient peut-être zoroastriens, peut-être hindouistes, ou peut-être ce que vous voulez, il n'est pas dit qu'ils sont devenus des disciples du Christ. Ils sont venus pour avoir leur réponse. Ils sont rentrés, ils se sont rendus compte que quelque chose d'immense était en train de s'accomplir dans la dimension spirituelle des choses. Ils se sont sentis concernés et ils ont suivi leur étoile. Chaque vérité partielle, chaque commencement de lumière, chaque étincelle de beauté que nous percevons à travers l'expérience générale de la civilisation humaine, je veux dire
à travers les cultures, à travers les sagesses, les arts, les sciences, les philosophies, les religions, toutes ces vérités partielles, tous ces commencements de lumière, toutes ces étincelles de beauté sont quelque part tenues ensemble, fédérées dans une unicité au-devant de laquelle nous allons. Noël signifie le dépassement des religions particulières, voire même la fin des religions particulières. De cela, nous n'avons pas tiré les conséquences, nous avons fait une religion particulière de plus. C'est-à-dire que nous avons réduit l'action de Dieu à la petite compréhension que nous en avons. En vérité, nous sommes encore loin d'avoir déchiffré Noël. Noël n'est pas derrière nous, il est loin devant nous et il comporte encore une immense part de mystère. C'est pourquoi nous sommes invités à l'humilité, à la manière du grand saint Augustin. Seigneur, j'ignore comment on parvient jusqu'à toi. Si c'est par la foi que te trouvent ceux qui se réfugient auprès de toi, donne-moi la foi. Si c'est par la force, donne-moi la force. Si c'est par la science, donne-moi la science. Et si c'est par la charité, augmente en moi la charité. Tout bien considéré, voyez-vous, cette histoire ne tient pas debout. Elle commence par un nouveau-né dans une étable improbable. Elle passe par une croix. Elle finit dans un tombeau vide. L'apôtre Paul s'exclame, c'est de la folie. Oui, c'est de la folie. C'est de la folie aux yeux du bon sens, du sens commun. Mais pour nous, c'est la certitude que Dieu utilise les vents contraires pour naviguer. Il choisit la faiblesse pour révéler sa force. Alors, puissions-nous, à notre tour, mettre un grain de folie dans notre âme afin d'être dans ce monde si douloureux et si compliqué des chrétiens de l'éveil et de la bénédiction. Amen.
Vincent a évoqué dans sa prédication la situation dramatique qui se vit en RDC, en Congo, à Goma. J'ai eu la chance, c'est vrai, d'y aller il y a quelques années pour participer à des rencontres d'église. Un des présidents d'église là-bas est effectivement un camarade d'études qui a fait ses études à Genève. Goma, depuis 30 ans, est une ville martyre qui a connu les catastrophes naturelles, les violences, la guerre, la misère, sans parler de l'épidémie d'Ebola. Et les églises sur place sont les dernières institutions devant l'absence d'État et, dans le fond, l'indifférence de la communauté internationale à essayer d'œuvrer avec de très faibles moyens pour apporter soutien et réconfort. Et nous avons décidé de consacrer l'offrande d'aujourd'hui pour venir en aide à notre église sœur. Depuis plusieurs mois, les tensions et la guerre ont repris, hélas, et la situation est à ce point dramatique que notre partenaire sur place doit rester extrêmement vigilant, craignant pour sa vie. Voici un extrait de la lettre qu'il nous a adressée il y a quelques jours, alors que je lui proposais que nous soyons tout particulièrement en lien de prière lors de ce culte de Noël. Et ces tout derniers jours, je n'ai pas pu avoir de contact. Chers frères et sœurs en Christ, en tant que membres du corps du Christ, nous nous adressons à nos frères et sœurs des églises de Genève pour solliciter leur soutien dans la prière. Nous vous remercions d'abord pour l'assistance que vous nous avez accordée pour nous permettre de survivre et d'améliorer nos conditions de travail dans le Nord Kivu. Nous sollicitons en ce temps de Noël votre prière, car la situation sécuritaire, économique et sociale s'est empirée au Nord Kivu et dans la ville de Goma. En effet, en plus des massacres qui ont duré des années dans les territoires de Beni, des territoires tout proches de la ville de Goma sont devenus le théâtre des affrontements entre la rébellion M23 et l'armée loyaliste. Cette situation est à la base de déplacements massifs de populations qui risquent d'être prises pour cibles ou victimes de massacres. Goma, qui est déjà une ville très pauvre, a dû accueillir dans des camps de déplacés plus de 350 000 personnes qui vivent un calvaire indescriptible au prix de leur vie, n'ayant pas d'assistance appropriée. L'économie de la région est asphyxiée par cette guerre, les paysans n'ont plus accès à leurs champs, les prix des denrées alimentaires s'envolent et la situation est dramatique et la population vit dans la peur constante, d'autant plus que depuis quelques jours, les rebelles se sont infiltrés à Goma et que tout le monde craint à nouveau des tueries aveugles. Nous, en tant qu'Église, nous organisons des journées de sensibilisation et de prière pour demander au Seigneur de faire cesser cette guerre devenue trop meurtrière. Nous nous mobilisons dans les centres urbains non occupés à rassembler des vivres et du matériel de première nécessité pour apporter tant soit peu une assistance aux déplacés de guerre, mais nos moyens restent cependant dérisoires. C'est pourquoi nous vous demandons de vous associer à nous dans la prière, suppliant le Seigneur de nous accorder la paix et de prendre soin de nous qui sommes dans un milieu très trouble. Nous demandons à Dieu de nous accorder la paix, la joie et l'espérance proclamées par Jésus, dont nous nous rappelons la naissance en ce jour de Noël, de nous libérer définitivement de cette guerre et ainsi de nous permettre de passer d'heureuses fêtes de fin d'année. Et c'est Corinne qui nous conduit dans la prière. Ô Seigneur, à chaque Noël, l'invitation est répétée, réjouissez-vous. Mais comment la joie pourrait nous parcourir de sa danse alors que pour tant de personnes, de Kiev à Goma, la guerre frappe durement. Que pour tant de personnes également, Noël est empreint de solitude, d'angoisse, de maladie. Alors que la joie de Noël ne soit pas pour nous une joie à déguster soigneusement chez nous, mais un appel à faire naître par nos prières et nos actions le bonheur et la paix sur cette terre humaine. Oui, Seigneur,
nous te le demandons. Donne-nous d'être ce matin, par ta grâce, en communion avec tous nos frères et sœurs, et tout particulièrement avec nos amis de Goma. Amen. Et nous nous levons pour prendre la première strophe du cantique 272, Brillante étoile du matin. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Prions. Seigneur, en ce jour de Noël, l'humanité entière est invitée à suivre son étoile pour aller à la crèche. Donne-nous maintenant la grâce de te découvrir naissant au fond de notre cœur. Oui, que ton esprit souffle sur nous et qu'il nous donne maintenant de communier au plus intime de notre vie, au corps et au sang du Seigneur, le Christ vivant, et de pouvoir ainsi sentir la réalité et la présence dans notre vie, jour après jour. Amen. Je vous invite à dire maintenant tous ensemble, d'une même voix, d'un même cœur, la prière qui fait de nous les enfants du même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et pour prolonger la résonance de ces prières, nous prenons la troisième strophe du chant 272. Je veux, Seigneur, mûrir à toi par mon amour.
le pain que nous rompons, et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie à jamais. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour la multitude. Seigneur, tu es venu nous rejoindre au cœur de notre humanité, dans l'obscurité de ce monde. Nous avons répondu à ton invitation, mais c'est toi qui as fait le plus grand chemin pour venir jusqu'à nous. Alors nous voici, Seigneur, avec notre foi peut-être chancelante, notre cœur pas toujours bien préparé, mais avec ce désir sincère de te rencontrer. Alors nous te rendons grâce, parce que tu nous accueilles tels que nous sommes. Oui, nous sommes, frères et sœurs, les heureux invités au festin de la vie. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Si nous avons dressé la table, c'est le Seigneur lui-même qui la préside et qui vous convie à cette communion avec lui et les uns avec les autres. Nous communierons ce matin sous forme de défilé. Selon les indications qui vous seront données par notre conseiller Pierre-Édouard Debay, on commencera par cette travée, puis la deuxième et la troisième. Je vous invite donc à vous rasseoir maintenant et vous défilerez en faisant le tour et en venant par cette travée ici avant de regagner vos places. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de ce culte de Noël après ces festivités qui ont commencé hier soir avec notre belle fête et culte des familles au temple des Eaux Vives. Pour vous dire que les prochains rendez-vous, bien, il y aura dimanche 1er janvier un culte de rassemblement à la cathédrale Saint-Pierre, mais la veille, le 31, nous aurons, nous, une belle célébration au temple des Eaux Vives à, tout d'un coup, j'ai un doute, 22h45. Voilà. Alors, un beau moment qui sera prolongé par une soirée, une veillée. Donc, le 31 décembre au Temple des Eaux Vives. Et puis, le 8 janvier, nous, pour le culte de l'Épiphanie, eh bien, nous commencerons aux Eaux Vives. Donc, le culte aura lieu aux Eaux Vives. Nous commencerons par un petit déjeuner tous ensemble, pour ceux qui le veulent, dans la salle de paroisse. Et on verra qui sera le roi ou la reine du jour. Celui qui gagnera la fève sera obligé de vivre tout le culte avec la couronne sur la tête. Donc. Venez en tout cas au culte et à ce petit déjeuner le 8. Et puis tout à l'heure à la sortie, nous aurons aussi la possibilité de prolonger avec un bon vin chaud et un beau moment de convivialité dans le foyer du temple. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ce culte. Je ne peux pas tous les nommer, les musiciens, musiciennes, merci beaucoup, les lecteurs, lectrices, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, comme Daniel, qui ont préparé aussi le vin chaud. Nous allons maintenant vivre le temps de l'offrande avec le dernier cantique, et cette offrande sera donc destinée à soutenir nos frères et sœurs à Goma. Qu'est-ce que tu veux dire, Frédéric ? Le culte aussi de la restauration, le 31, ouais. Exactement, tu as raison. Mais maintenant, nous allons donc prendre notre dernier cantique, Les anges dans nos campagnes, pendant lequel l'offrande est recueillie. Vous trouvez les paroles et la musique, si vous en avez besoin, sur le feuillet. Et encore une dernière annonce que j'ai oubliée, excusez-moi. La prédication de Vincent est à disposition à la sortie, comme d'habitude. Thank you.
Que Noël vous soit une espérance solidement accrochée dans l'épaisseur de nos nuits. Que Noël vous soit une musique résonnant joyeusement dans la banale répétition des jours. Que Noël soit une paix délicatement posée dans le creux de vos mains. Et lorsque votre existence passera par de rudes chemins qui écorchent, que l'enfant de Noël pose en vous sa fidèle tendresse. Amen. Et recevez de la part de Dieu sa bénédiction. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ un matin de Noël et la communion de l'Esprit-Saint soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie. Amen. Amen. Thank you.
Thank you.